Une balle de match contre soi, ça se travaille. Alors que l'arbitre de chaise que vous avez pu apercevoir est M. Gabriel Maldini,
un Italien, puisque des juges italiens ont été désignés pour arbitrer cette demi-finale. Nicola Pietrangeli, ancien joueur, ancien capitaine de l'équipe de Coupe Davis italienne, étant le juge-arbitre. Chris Lewis au service. Premier point fort spectaculaire. J'oubliais de vous préciser, mais vous l'aviez sûrement découvert, un Yannick Noah, nouveau visage. Il s'est en effet fait faire des rastas. Vous l'aviez pu le découvrir ainsi lors de notre magazine de tennis Balle de Match il y a de cela une semaine. Première contestation. Monsieur Maldini confirme la décision du juge de ligne. 15 partout. Beaucoup de monde aujourd'hui à Aix-en-Provence, mais vous l'aviez sans doute constaté au vu des images de Jean-Claude Échinger. Et des conditions climatiques idéales, un ciel bleu, du soleil, il ne fait pas trop chaud. Et un escroc, oui. 30, 15, 30, 15. Second serve. Et premier jeu remporté par Chris Lewis. Nouvelle-Zélande. Un match très important pour l'équipe de France si elle veut se qualifier pour la finale de cette Coupe Davis. Les données tactiques de cette partie et Georges Goven, qui s'occupe plus particulièrement de Thierry Tulane depuis 3 mois, est venu me rejoindre pour commenter cette deuxième rencontre entre Noah et Chris Lewis. Les données tactiques me paraissent évidentes. La faiblesse de Chris Lewis, c'est le revers chopé, un passing de revers un petit peu faiblard aussi. Donc Yannick Noah a intérêt sur son service, je crois, à servir sur le revers et à faire monter sa balle le plus possible, c'est-à-dire à la lifter le plus possible pour obliger Chris Lewis à retourner chopé et puis à attaquer systématiquement sur son revers dans la mesure où c'est encore l'une des faiblesses du Néo-Zélandais. Par contre, ce Néo-Zélandais a un coup droit véritablement... C'est un grand coup, c'est un coup qui fait très mal et qui peut laisser l'adversaire quelquefois très loin de la balle. On peut ajouter à cela, Georges, que Chris Lewis est inépuisable, qu'il a une condition physique irréprochable, qu'il a un jeu de jambes parfait, qu'il fait parfois penser à McEnroe, Borg et à tous ces joueurs-là, tant il paraît rapide sur un court de tennis. C'est effectivement, Hervé, un joueur qui a énormément de jus. Et je pense que le problème de Yannick va être... d'arriver à régler ses coups au départ. Je pense que c'est ce que Yannick va essayer de faire. Et chaque fois qu'il en aura besoin, il va mettre la pression avec son service et prendre le filet dès qu'il pourra. Là, il nous a fait manquer. Il vient de tirer sur le coup droit. Mais je pense que pour Yannick, le problème, c'est de régler son service, régler son kick sur le revers et monter parce que, comme vous l'avez dit, Chris Lewis est un peu plus faible du côté revers. Quoique en passing recouvert de revers, de temps en temps, il en fait. Mais disons que c'est quand même son point faible. Par contre, au point de vue jeu de jambes et coup droit lifté, il a un coup droit qui est très très sûr. Oui, une belle attaque de Yannick Noah avec prise de balle au sommet du rebond. 30-0, 30 love.
là, je crois que c'est un échange typique de ce qu'on risque de voir pendant tout le match, c'est-à-dire Yannick prenant le filet, revers chopé de Lewis, volé de Yannick sur le revers et tentative de passing où souvent Lewis va faire un lob. Mais je pense que Yannick va imposer sa puissance quand même. Premier reste réussi par le Français et un jeu partout entre les deux joueurs. Game French, one game old. Ils ont retapé un peu le central, là j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même problème de trou. Hein, de... Oui, le cours est très mou. Le cours est mou, hein, il est difficile à jouer. Ah, c'est bien lobé, en plus Chris Lewis avait le soleil dans les yeux. Le côté où est Chris Lewis actuellement, il y a énormément de soleil, c'est un soleil vraiment en pleine figure, là. C'est très dur de se matcher. Yannick a souvent des débuts de match sur le service de l'adversaire un petit peu difficile, un peu hésitant, parce que j'ai l'impression qu'il cherche sa longueur, il cherche un peu son jeu. Par contre, il assure toujours avec son service derrière, ce qui lui permet d'ailleurs cette marge d'erreur. La balle de Chris Lewis était pleine ligne. Et monsieur Maldini fait remettre deux balles. On sent que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de jus. Oui, et puis tant que ça marchera, eh bien, on le verra frapper à plat ses premières balles de service. Bien joué, Yannick. Il y allait, Lewis. Il y allait encore, mais je crois qu'à ce jeu-là, il ne gagnera pas contre Yannick, parce que Yannick a vraiment une couverture de fond de court et de filet avec les jambes qui est tout à fait exceptionnelle, aussi bien en l'air, en détente, que latéralement. Il est vraiment très dur à prendre, Yannick. Apparemment relativement facile à jouer là, sur une volée un peu courte et après un excellent retour. Lewis remportant donc son service, mais comme vous le disiez Georges, on a l'impression que Yannick est à la recherche de la bonne longueur de balle. Il cherche visiblement les données du cours, il n'a peut-être pas encore tout à fait dans les yeux. Et on sait qu'il a avec son service une arme redoutable parce qu'il fait tout simplement partie des tout meilleurs serveurs du monde et que derrière sa mise en jeu, eh bien, il a toujours un petit peu le temps de voir venir par rapport à ses adversaires. Il a en plus une variété de services que beaucoup de joueurs n'ont pas. Je veux dire, on dit par exemple que Hooper est un grand serveur, des joueurs qui servent très fort, mais Yannick a en plus la possibilité de kicker la balle, de slicer court. Il a une première balle qui, quand il tape à plat, va certainement à 220. Vraiment, il a une variété de services que très peu de joueurs ont, et à mon avis, c'est certainement un des 2-3 meilleurs serveurs au monde. On peut penser aussi qu'il ne subira pas trop, du moins s'il arrive à dominer suffisamment en début de rencontre le phénomène Coupe Davis, car c'est un joueur habitué à l'épreuve depuis maintenant 4 ans. Il avait fait ses débuts en 1978 face à la Grande-Bretagne.
Il était tout jeune à l'époque, il avait seulement 18 ans. On a souvent dit Yannick Noah n'est pas un très grand joueur de Coupe Davis. Il a prouvé tout à fait le contraire. Il faut simplement savoir que les défaites qu'il avait subies, il les avait subies contre des joueurs mieux classés que lui au classement de l'association tennismen professionnelle. Et que cette année, de toute évidence, Yannick Noah a franchi encore un énorme palier, qu'il a hissé parmi les 10 premiers mondiaux, qu'il a progressé en revers coupé, qu'il a progressé au service encore, qu'il a progressé en passing shot de revers aussi. Il a progressé partout. Je reviendrai un petit peu sur ce que vous venez de dire après, là, à la fin du jeu. Très bien. Son amorti croisé est un modèle du genre parce qu'il vraiment il a un effet rétro en plus dans la balle. Elle est très très masquée. Et pourtant, Chris Lewis, qui fait paraît-il aux alentours de 4 minutes et quelques aux 1500 mètres, n'a même pas pu démarrer là-dessus. Un petit peu de précipitation sur ce coup droit. Il faut dire que le coup droit de Yannick est, disons, le point faible, si l'on peut dire, quand il n'est pas très en confiance. Il manque un petit peu d'ajustement dans son coup droit. C'est d'ailleurs le coup qu'il travaille le plus à l'entraînement. Il a pris sa chance, Chris Lewis. Je pense qu'il va souvent monter au filet dès qu'il va pouvoir. 15-40. Et deux balles de break. 15-40. De balle de 3 jeux à 1 en faveur de Chris Lewis. Tentative 40, de passing court croisé de Lewis, 30, heureusement pour Yannick 40. D'ailleurs qu'elle est. Il a atterri dans le filet. Balle, balle. S'il vous plaît. Merci. Nouvelle balle de break. Voilà, c'est le genre de service qui handicapera Chris Lewis le plus au cours de cette rencontre. Une balle très liftée sur le revers qui monte très haut. Le Néo-Zélandais obligé de retourner en revers chopé. Yannick Noah est déjà installé au filet, il n'a plus qu'à claquer sa volée. Bien joué Yannick. Monté très vite au filet hein, sur celle-là. Il a terminé sa volée à peu près un mètre du filet. Avantage France. Il n'a pas pu la contrôler, là encore, cette balle qui est montée très haut. Et deux jeux partout, donc, entre les deux joueurs. Lewis au service. Vous parliez tout à l'heure, Georges, du coup droit de Yannick Noah. C'est vrai que si Yannick a progressé dans quasiment tous les domaines cette année, il n'a probablement pas retrouvé encore ce grand coup droit d'attaque qu'il frappait à plat et que par manque de confiance, peut-être, il ne frappe plus à plat. Lorsqu'il prenait la balle au sommet du rebond, un coup droit qui allait véritablement très vite et qui laissait l'adversaire très loin de la balle. C'est un fait qu'il a un petit peu perdu ce coup droit, mais je crois que ça vient peut-être un petit peu aussi de la raquette à grand ami, où il est plus dur de taper la balle complètement à plat, parce que la balle flotte un petit peu. Il y a un petit problème que Yannick cherche vraiment à résoudre. J'ai pu voir ça à l'entraînement ces jours.
Sheffield, Chris Lewis. Chris Lewis d'ailleurs qui joue aussi avec un grand ami et qui lui tape des coups droits avec une débauche de lift et une énergie assez exceptionnelle. Ouais, il, vraiment. Jouer Yannick. Bonne sécurité dans ce passing shot. Yannick a vu tout de suite que Chris Lewis ne couvrirait pas le court à droite et il a mis un passing shot un mètre au-dessus du filet. Beaucoup de sécurité dans ce coup-là. 15-30. Ah, c'est remarquable. Oui, oui Yannick. Un smash. Je jouais juste tactiquement. 15-40. Et deux balles de break en faveur du Français. Nous revoyons cette échange au ralenti. On peut voir la couverture 15, de Yannick là. Regardez comme il est bien sur la balle. Comme vraiment il domine le court au point de vue placement. C'est assez exceptionnel, je dois dire. Là, il va prendre le filet. Il est très dur à lober. Faute. Il a beaucoup de lucidité là encore sur ce passing shot de revers. Qui prouve que Yannick Noah non seulement est rentré dans le match, mais qu'il est en pleine confiance, car il a frappé un passing shot de revers le long de la ligne. Le deuxième, il a joué un petit passing shot chopé, qui a obligé Chris Lewis, qui s'attendait à un passing frappé, à aller sur la balle et à sortir cette volée de coup droit. Il a joué le tennis pourcentage, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas donné de balle dans ce jeu. Il a fait jouer l'adversaire et il l'a fait rater. Oui, Hervé, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Yannick en Coupe Davis. Et ça fait maintenant deux Coupes Davis que je suis avec l'équipe de France. Et je dois dire, j'ai été frappé par la présence que Yannick impose dans cette équipe. Que ce soit à l'entraînement où vraiment Yannick s'entraîne comme une bête. Il est à 100% de ses possibilités pendant 4 heures sur le terrain. C'est assez impressionnant à regarder. Et même, on sent vraiment que Yannick est le patron et maintenant l'âme de cette équipe de France. Il est là, il a envie de gagner cette Coupe Davis, il a envie de conduire l'équipe de France. Et je dois dire que tous les joueurs sont un peu subjugués par ce que fait Yannick en ce moment. Parce que ce qu'il a fait contre l'Argentine, ce qu'il a fait contre la Tchécoslovaquie, vraiment, on peut lui tirer notre chapeau parce que c'était des matchs qu'il fallait gagner, c'était des matchs extrêmement durs. Et chaque fois, Yannick a assumé sa place aussi bien en simple qu'en double avec vraiment tout ce qu'il faut pour être un grand patron. Il est certain que le tennis français possède en ce joueur un garçon exceptionnel, non seulement sur un court de tennis, mais exceptionnel de lucidité et puis aussi de gentillesse. C'est vraiment un garçon à qui l'on ne peut rien reprocher. Comme il était près du filet là. Ah, ouais. En plus, personnellement, je trouve que Yannick a le jeu typique du joueur de Coupe Davis. C'est-à-dire, il met beaucoup de pression avec son service, avec sa volée. Il couvre beaucoup de terrain et c'est en face, c'est très dur. Hein, parce que quand il arrive au filet, bah, pour tirer les passing shots, on l'a vu contre Lindell. Finalement, il a fait craquer Lindell au cinquième set. Un Lindell qui est quand même, à mon avis, le deuxième joueur du monde actuellement. Là, c'est bien fait. Il attaque un peu court, là. Monter un peu en caleçon, on dirait. 15-15, bon service, ça. Et sur le revers. Il n'a pas commis la faute, c'était peut-être plus judicieux de jouer du côté droit, car Lewis avait anticipé, mais il a joué par sécurité le revers, et on s'est aperçu que Chris Lewis, qui était déjà un petit peu en retard sur la balle, avait du mal à tirer ses passing shots tout de même. Yannick, qui analyse très bien le jeu de l'adversaire, a vu que l'autre aurait beaucoup de mal à tirer des passing shots recouverts, qui sont ceux qui sont le plus gênants, et je crois qu'il va vraiment lui matraquer le revers. D'ailleurs, j'ai vu pour l'instant Lewis ne faire qu'un passing shot recouvert en revers les autres fois, il a fait ou des slices, ou des lobes. Et ça, je ne sais pas ce qui gêne Yannick Noah. Tant mieux pour nous, d'ailleurs. Ah, hésitation en coup droit. Petit fourbon. 30 à...
c'est pour l'instant, à mon avis, le seul coup qui empêche Yannick d'être dans les 3-4 meilleurs joueurs du monde. Vraiment, s'il arrive à retrouver ce grand coup droit qu'il avait il y a 3-4 ans, ça va faire très très mal. 30 partout. De 4 jeux à 2. Et voilà, même sur sa deuxième balle, sans qu'à tout moment il peut faire le point sur son service, Yannick Noah. Et il se détache fort normalement dans cette première manche par 4 jeux à 2. Ça va certainement le libérer pour sur ce set. Là, il va rentrer peut-être un peu plus dans la balle avec son coup droit maintenant qu'il a le break. Échange et finalement Yannick termine le point 0-15 love 15. Maldini. Ah oui, superbe échange, belle volée amortie croisée. 15 partout. 15-0. Collé au filet. 30-15. Bonne qualité physique du néo-zélandais sur ce point. One fold. Chris Lewis déjà joue en, je dirais presque en sur-régime, hein. Il essaye de prendre le filet, mais on... c'est aussi l'impression qu'il me donne. Il ne donne pas l'impression de jouer dans la facilité. Là. Seul coup qui manque à Yannick actuellement. La France mène
le jeu à 3. Et j'en reviens à ce que vous disiez à l'instant, Georges, c'est vrai qu'on a déjà l'impression, il a fallu, bon c'est vrai, il a très bien joué le coup sur ce jeu, mais il a fallu deux fautes de Yannick en coup droit, et puis une volée très heureuse de Chris Lewis, qui visiblement est déjà en sur-régime, et je reprends votre expression, face à Yannick Noah qui impose une présence athlétique assez extraordinaire, et même le Français a commis quelques fautes au cours de ce septième jeu de la première manche. Il a un service d'avance, il joue en toute sécurité, c'est du moins l'impression qu'il donne actuellement. Il a acquis cette année aussi, on pourrait le préciser, une maturité assez étonnante pour un garçon qui n'a que 22 ans. Son jeu techniquement paraît posé, hormis ce petit problème en coup droit que vous évoquiez il y a un instant. Il y a peut-être aussi un problème encore en volée de revers dans la mesure où Yannick Noah sait parfaitement jouer des volées le long de la ligne, mais qu'il joue un petit peu une volée de revers stéréotypée, et cela se sait, commence à se savoir dans le circuit international, et cela permet à l'adversaire d'anticiper, mais tout ça ce sont des ajustements mineurs, on a le sentiment que rien aujourd'hui ne peut arrêter Yannick Noah dans sa progression. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que une des armes de Chris Lewis, qui est le coup droit lifté assez haut, qui d'habitude où il gêne quand même pas mal l'adversaire, est un coup qui ne pose absolument aucun problème à Yannick. D'une part à cause de sa taille, Yannick fait quand même 1m92, et puis Yannick n'est pas du tout gêné par les balles hautes. Donc il réduit à néant une des armes principales du Néo-Zélandais. Et il a joué le long de la ligne. Il a joué le long de la ligne, mais elle est très bien jouée. Je crois que Chris Lewis va commencer à essayer de retourner un peu recouvert pour donner un peu plus de puissance et un peu plus de pression à sa balle, car il se rend compte que son retour slicé en revers ne gêne pas du tout Yannick pour l'instant. Ah oui, une attaque un peu courte là de Yannick. Court. Premier passing shot de Chris Lewis gagnant en revers. Mais attaque très moyenne de Yannick. La balle était courte, elle montait un peu, elle était juste à la bonne hauteur pour prendre un passing shot. On a vraiment la sensation que chaque fois que Yannick a besoin d'un point sur son service, il sort soit un service très kické, très lifté, qui rebondit très haut, qui permet d'arriver vite au filet, soit une première balle comme celle que nous venons de voir, qui est un point gagnant pratiquement chaque fois. Plus que moyenne de la part de Noah. C'est une approche qui manque de vigueur, elle manque de pression dans la balle, et Chris Lewis a eu tout le temps d'ajuster son passing, qui est d'ailleurs fort bien fait. 30 partout. First service, please. Oui, monsieur Maldini a raison, selon moi, de redonner deux balles de service à Yannick Noah, qui avait purement et simplement réussi un ace. En principe, un arbitre peut changer une décision quand il estime que l'adversaire ne pouvait pas toucher la balle. Ah oui, il était déjà mal, pris à contre-pied sur le premier coup droit. Et balle de 5 jeux à 3 en faveur de Yannick Noah. 40-30. Et là encore, un service qu'il utilise à merveille, il l'a varié. La France mène
Et Chris Lewis risque, Georges, de faire de la corderaise en retour de service, car visiblement, il ne sait pas très bien où va servir Yannick lorsqu'il arme son bras. Yannick a une variété vraiment exceptionnelle de service, et il le met où il veut, quand il veut, ce qui fait que c'est extrêmement dur pour l'adversaire de régler son service, car en plus, Yannick ne sert pas toujours au même endroit, même s'il sait que Chris Lewis est plus ferme et plus faible en revers, il ne va pas lui donner la possibilité de se régler en lui servant que des balles sur le revers. Il va varier son service pour justement empêcher l'adversaire de se régler, de régler un coup. Ah oui, ça c'est un coup qui ne gêne pas du tout Yannick. En plus, il y a une dépense d'énergie chez Chris Lewis qui a tourné son revers ici, qui a couvert deux fois plus de terrain, qui a dépensé deux fois plus d'énergie pour perdre un point. 0-15. Je crois que c'est la seule manière pour Lewis de gagner des points, c'est de brusquer Yannick et de monter beaucoup au filet, particulièrement sur son service. Tactiquement, c'est superbe de la part de Noah. Remise, bon passing shot de Chris Lewis. Yannick a vu qu'il ne pouvait pas finir la volée. Il a remis une volée longue, fixant son adversaire et l'obligeant à tenter ou un passing plus difficile ou un lob. Et comme Yannick a une détente exceptionnelle, il a permis de finir le point. Rentre partout. Je crois que la balle a mordu la ligne, c'est un full ace. 40-30. Service que Yannick n'a pu rattraper. Bon passing shot de Yannick. Court, croisé. C'est le meilleur passing possible. Égalité. Deuce. Avantage Nouvelle-Zélande. Ce sont déjà les cris que pousse Chris Lewis à chaque frappe de coup droit. Encore un exemple typique de la couverture de terrain de Yannick Noah sur un passing shot joué, disons, en deux temps, c'est-à-dire il a mis la balle dans la raquette de l'adversaire, il anticipait du bon côté, puis il est là avec sa raquette, ses grandes jambes, ses grands bras, et il remet la balle. Prise de balle tôt.
C'est super. Superbe coup d'attaque de Yannick. Il est rentré dans le terrain. Il a pris la balle très tôt avec un léger effet chopé. Il avait suivi son coup au filet. Et c'est une balle de 7 pour le français. Fantastique point, Hervé. Quelle maîtrise, hein. Et en plus, psychologiquement, c'est un point qui pourrait très bien marquer Chris Lewis, dans la mesure où là, Yannick Noah a affiché une telle sérénité, une telle maîtrise, une telle lucidité, que Chris Lewis doit commencer un petit peu à douter. Mais c'est une évidence, et nous le disons depuis le début de partie, on a l'impression que le Néo-Zélandais joue en sur-régime, qu'il est à la limite sur chaque point, et que Yannick Noah joue, lui, à son rythme, sans jamais forcer l'allure, alors que nous revoyons ce dernier échange au ralenti. Petit plongeon de Yannick sur cette... Et là, il est... Petite volée croisée amortie, avec effet rétro, bien entendu. Et première manche remportée en 36 minutes par le numéro 1 français. 6 jeux à 3. Voilà qui fait du bien de savoir que Yannick Noah est en pleine confiance aujourd'hui, car je le disais, Georges, je ne sais pas si vous étiez encore arrivé à notre micro, c'est une partie beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît au prime abord, ou que dispute l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande. Je rappelais les résultats des Néo-Zélandais dans cette Coupe Davis, vainqueur des Espagnols puis des Italiens, qui ne sont pas les premiers venus. Certes, la terre battue n'est pas leur surface idéale, surtout pour un joueur comme Russell Simpson, bien que ce joueur ait réussi en Italie des performances somme toute très étonnantes en battant Barazzutti. Et les Français ne sont pas challengers aujourd'hui, ils sont favoris et il y a une pression énorme qui pèse sur leurs épaules. C'est pour ça que c'est bien de voir Yannick tenir la route comme il le fait actuellement. C'est vraiment, il s'affirme en grand patron, là. Il domine ce match avec tranquillité, sérénité, alors que finalement... Yannick Noah est 9e joueur mondial, Chris Lewis est 30e, Chris Lewis a déjà battu dans sa carrière énormément de joueurs dans les 10 meilleurs joueurs du monde, et Yannick n'est pas à l'abri d'un mauvais match, d'un accident, du petit bras, de toutes ces choses qui font en fait la Coupe Davis, et pour l'instant Yannick assume vraiment magnifiquement son rôle. Grand retour de coup droit de Chris Lewis. 0, 15, love, 15. L'attaque était encore une approche un peu courte, très en angle. Elle ouvrait la voie du passing shot. C'est vrai aussi que Chris Lewis n'est pas tout de même un grand passeur en revers. Non, disons que l'attaque de Yannick était moyenne, mais au moins elle avait l'avantage de pas trop donner d'angle quand même. Hein. C'est ce qui s'est passé. L'autre a été obligé de. Oh là 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 là, quelle allonge! Fantastique coup de Yannick encore. 30, 15. Il a pris Chris Lewis à contre-pied, qui a quand même eu un beau réflexe, il a réussi à remettre ses balles, cette balle alors qu'il était complètement parti de l'autre côté. Et sans la regarder. Et sans regarder la balle, coup étonnant d'ailleurs. Première double faute. Oui. Un peu de précipitation peut-être sur ce point. C'est peut-être... Le seul danger pour Yannick, c'est d'être trop confiant à la limite dans ce match et de pêcher par moment par excès de facilité, de confiance et de tenter des coups. Je crois qu'il faut que Yannick reste sobre, concentré et qu'il exécute, qu'il ne laisse jamais Chris Lewis re-rentrer dans le match parce que pour l'instant, il le domine de la tête et des épaules. Il ne faut pas qu'il lui donne la possibilité de revenir dans ce match.
is out. Oui, il s'en est aperçu lui-même que cette balle était faute, alors que vous apercevez sur votre écran Monsieur Jeff Robson, capitaine de l'équipe néo-zélandaise. Jeu France. C'est le premier jeu du deuxième set. Un jeu à zéro donc pour Yannick Noah dans la deuxième manche. Noah qui joue toujours avec facilité. Alors que le public recommence à encourager l'équipe de France. Je disais à Jean-Paul Lotte tout à l'heure que la France va peut-être devenir un pays très difficile à battre sur son terrain en Coupe Davis parce que les joueurs commencent à se donner le mot, à se dire mais en France il y a un public qui commence vraiment sans être chauvin mais qui encourage vraiment ses joueurs avec ferveur presque, et moi je trouve ça fantastique parce que ça nous a peut-être un peu manqué ces dernières années d'avoir un public qui vraiment soutenait son équipe. Je crois que pour un joueur c'est fantastique de sentir que le public vous porte, que le public vous aide, et on est en train de découvrir, les gens sont en train d'aimer cette équipe de France et ils vont peut-être l'aider à gagner cette Coupe Davis aussi. Ils auront leur petite part de ce succès. Absolument, on avait constaté ce phénomène la première fois en France il y a un an à Lyon, où le public avait encouragé de façon assez extraordinaire les joueurs français, bien que battus par l'Australie 3-2. Et puis ce phénomène, on l'a constaté surtout à Roland-Garros au mois de juillet dernier, où il y a eu un public étonnant qui a été véritablement transcendé par aussi trois garçons dans les tribunes qui ont fait bouger le public, un public qui était tout acquis à la cause des Français. Et là, c'est un petit peu le même phénomène que nous vivons aujourd'hui. Alors que l'on joue à guichet fermé. Ah, il l'a manqué son lob. Lob raté, Yannick. Tentative de lob lifté. Malheureusement raté. Ce lob. Je ne sais pas ce que Tony Roche, l'entraîneur des Néo-Zélandais, peut dire à Chris Lewis, mais à mon avis, il a dû lui dire va au filet, parce que sans ça, tu t'en sortiras pas. Qui est d'ailleurs tout à fait conforme à leur style de jeu, puisque ce sont malgré tout des garçons qui jouent beaucoup sur surface rapide. Quoique Chris Lewis joue sur toutes les surfaces pratiquement, enfin, beaucoup sur herbe, beaucoup sur surface rapide. Vraiment l'un des plus difficiles à réaliser. Il faut une épaule très solide parce que Yannick Noah a smashé cette balle et il l'a smashé véritablement comme s'il avait eu à exécuter un smash tout à fait normal, sa balle ayant rebondi très haut et étant passée derrière la bâche de fond de court. Smash de revers, exceptionnel. Second service. Jouait 1m50 à l'intérieur du cours. Chris Lewis cherchait à défendre le mieux possible son terrain, à ne pas lâcher la ligne de fond de cours, mais il a cédé le premier. Il a terminé 2 mètres derrière la ligne cet échange.
encore une prise de balle tôt, Yannick, là. Égalité. Très bonne montée au filet, 40 partout. Là, c'est terrible ce qui doit arriver à Chris Lewis, car il joue bien. On peut pas dire qu'il joue mal et il est constamment pris de vitesse. Vous parliez de la couverture de terrain, c'est peut-être dans ce domaine que Yannick Noah excelle le plus depuis le début de cette rencontre. Avantage, on a l'impression que c'est un mur infranchissable. Particulièrement sur tout ce qui est au-dessus de la tête. Hein. L'autre se bat, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire pour lui. Et en plus, il connaît un moins bon pourcentage de réussite en première balle de service depuis un petit moment, sans doute dû à la fatigue. Et voilà, le break est fait. Alors qu'il menait 40-0, Chris Lewis, il perd les 5 points suivants. Moralement, c'est très très bon pour Yannick, ça, parce que quand on mène 40-0 sur son service, ça fait mal de perdre le jeu et de se retrouver mené 2-0 service Yannick, c'est-à-dire possibilité pour Yannick de vraiment creuser le trou en menant 3-0. Et je crois pas qu'Yannick va laisser passer l'occasion. Petite ballette que Yannick a eu du mal à contrôler. Il a voulu faire une contre-amortie. Ah oui, très bien joué. Il a tenté sa chance, Chris Lewis, en prenant la balle le plus tôt possible. Essayer de prendre le filet avant Yannick Noah sur ce point. Mais non, que c'est bien servi en deuxième balle. Quelle longueur, quel lift dans la balle. 40, 30. Et balle de 40, 3 jeux à 0 pour 30. Le Français. Pression de Yannick qui mène maintenant 3 jeux à 0 dans ce second set. Hervé, vous avez vu, Yannick menait 0-30 d'un seul coup. On a l'impression qu'il appuie sur un bouton comme une surmultipliée sur son service pour la balle gicle encore plus avec plus d'effet.
D'ailleurs, Chris Lewis, à 15-30, a senti, il s'est dit, je vais essayer de prendre ma chance, je vais essayer de prendre le filet avant lui. Finalement, ils se sont retrouvés pratiquement au filet, l'un en face de l'autre, et Yannick a eu le dessus, et une volée de revers le long de la ligne. Ajouter que Yannick Noah, c'est vrai, joue plus le revers et en tout cas attaque systématiquement sur le revers de Chris Lewis, mais dans l'échange, il joue aussi bien le coup droit, il n'est absolument pas gêné. Il a annihilé en liftant lui-même le grand coup droit lifté que Chris Lewis possède. Chris Lewis est obligé de reculer loin de ses bases, loin derrière la ligne de fond de cours. Il n'est pas décisionnaire dans le jeu. Yannick Noah joue à l'intérieur du cours, attaque quand il en a envie et finit les points en volleyant remarquablement. Yannick mène vraiment la partie et je vois pas comment Chris Lewis pourrait se sortir de cette emprise, parce que sur le service de Yannick, il ne peut que subir vu la qualité du service de Yannick, et lui, son service en fait ne fait pas suffisamment mal et ses coups de fond de cours ne sont pas suffisamment perforants pour poser des problèmes à Yannick. Le seul problème de Yannick dans ce match, à mon avis, ça va être lui-même. Ça va être le fait de ne pas se relâcher comme peut-être il a pu le faire là où il se retrouve mené 0-30 sur son service. Et après une petite contre-amortie qui ne se justifiait pas forcément. Qui était un coup un peu difficile. Mais enfin, je crois qu'Yannick aussi aime s'amuser sur le terrain de temps en temps. Il essaye des coups un peu. Et on entend la fanfare française qui repart. Bien emmené par Gilles Moreton, remplaçant de cette équipe de France. Il y a là aussi Patrice Ajoleur. Merci. Récent père de famille d'une petite Virginie. C'est en coup droit que Chris Lewis fait la faute. C'est assez étonnant tout de même, Georges, de voir un grand coup chez un joueur annihilé par les décisions tactiques prises par l'adversaire. On sent que Chris Lewis veut forcer encore plus dans son coup droit et il est carrément au-dessus de ses moyens, quoi. Il essaye des coups qui ne sont pas des coups qu'il fait habituellement, parce que justement Yannick a vraiment pris la mesure de son coup et superbe longueur de balle chez Yannick. 30 à 30 hold. Sincèrement, je pense que la balle était faute, très nettement en longueur. Jeff Robson, le capitaine néo-zélandais, vient voir la trace. Et c'est monsieur Maldini qui a pris la décision d'annoncer, selon moi, un petit peu tardivement tout de même, que cette balle de Chris Lewis était faute. Chris Lewis demande deux balles. En principe, elle ne devrait pas lui être accordée. Je pense que l'arbitre de chaise est souverain. 30-40, 30-40. C'est une balle de double break pour Yannick Noah. Oui, balle de 4 jeux à 0. Chris Lewis d'ailleurs n'a pas protesté. Non, les fautes. Égalité.
peut-être pour la première fois depuis le début de la partie, dans la mesure où il a pu jouer ce coup droit à hauteur de hanche, Chris Lewis a laissé partir une balle qui allait très vite. Il est bien dur à aller chercher ce passing shot de Yannick. Bien tourné son revers, bien anticipé. Il fallait saluer de peu pour qu'il ne passe Yannick Noah au filet. 4 jeux à 0. Je rappelle pour les téléspectateurs qui prendraient seulement l'antenne le score de cette partie pour l'instant. 6-3-4-0 en faveur de Yannick Noah qui domine de la tête et des épaules cette rencontre face à Chris Lewis. On ne pouvait pas réussir le plus parfait que celui tenté par Chris Lewis. Service. Quatre cassé. Oui, corde cassée. Non, elle est faute, je crois. Corde cassée, vous avez vu Chris Lewis se précipiter au filet. 15, 40, 15, 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 15
sur 4 points, il n'a pas pris une fois le filet. Peut-être est-ce parce que Yannick mène 4-0 et que il essaye quelque chose, mais il n'a pas fait une fois service volé dans ce jeu. First service. Le même problème, on a l'impression que même lorsqu'il rate sa première balle de service, eh ben il peut revenir, mener 15-40, il revient à 40 partout, en serrant un petit peu plus le jeu, en montant au filet derrière, en faisant pression sur son adversaire. Second service. Longueur de balle. On a vraiment l'impression que par moment, Yannick oublie de. Il se dit bon, bah, je mène, alors je vais essayer autre chose. Et puis,
dès que le jeu il est un peu en danger, de nouveau, là, il vient de faire 3 montées de suite au filet, il a fait 3 points sur son service. Voilà, et un ace pour finir. Le deuxième, à moins qu'ils jouent en toute sécurité. La France mène 5-0. Je crois, et dépassant le cap de cette rencontre de Coupe Davis, si Yannick Noah, Georges, arrive mentalement à se mettre dans la peau, qu'il fait partie des 2-3 premiers joueurs mondiaux, il peut y arriver quand il veut, pourvu qu'il arrive à discipliner, à bien se préparer systématiquement, à vivre dans la peau réelle d'un joueur de tennis professionnel qui doit penser souvent à sa profession. Je crois qu'il ne manque rien techniquement quasiment à Yannick Noah pour prendre place et pour être, pourquoi pas, vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Yannick est un des joueurs que Connors, Villas, Borg même, Lendl redoute le plus à jouer parce qu'il a une variété de coups, il a une présence physique, il est increvable pratiquement, il a une qualité de service qui met toujours l'adversaire sous pression. Mais je pense que Yannick est en train de vraiment se trouver en tant que champion. Jusqu'à présent, il a peut-être un peu tatillonné, il a un peu cherché. Maintenant, il est vraiment en train de trouver exactement ce qui lui convient. J'ai parlé avec lui, il me dit que maintenant il s'accorde des périodes de repos assez longues pour ne pas arriver à saturation. Et il lui arrive fréquemment de s'arrêter 8 jours sans jouer au tennis, comme avant cette Coupe Davis. Mais sa grosse qualité, c'est que quand Yannick revient, s'il vous plaît, silence, et qu'il recommence à jouer, c'est 5 heures par jour et à 100% de ses possibilités, vraiment pendant toute la journée. S'il couvre aussi bien le terrain au smash notamment, c'est grâce à un exercice que je le vois faire tous les jours. Qui est vraiment très très dur, il est collé au filet et Patrice Ajoler lui envoie des lobes très très loin. Yannick recule, smash, revient toucher le filet, repart. Et on voit le résultat, Yannick n'a pas encore été lobé une fois dans ce match. Attaque de Christophe. Ouais. 15-0, 15, lost. L'intention était bonne. 0, 30, lock. Les Néo-Zélandais se battent toujours, bien que mené 5-0 dans ce set. On sent qu'il essaye toujours de trouver la manière de gêner Yannick. Il continue à attaquer la balle, à se battre. Oui. 40-0. 40-0. For the love. Yannick mène maintenant par 5-1 avec son service à suivre, c'est-à-dire une bonne chance de conclure ce deuxième set et de permettre à la France de mener par 2-0 dans ce simple. S'il vous plaît. Gagnant de Yannick Noah. 0, 15, lock.
15, up, 15, hold. The ball, please. Merci. Hop. Non. 30-15. 30-15. First service. Quarante-quinze, soit deux balles de set pour Yannick Noah. 40-15, 40-15. Et il termine par un nez sur un service gagnant. Donc, après 1h07 de jeu, Yannick Noah amène par 2-0 face à Chris Lewis. Le score 6-3, 6-1. Il joue remarquablement. Yannick joue ce match sur sa vraie valeur, un match de Coupe Davis où vraiment il n'est pas du tout gêné par la responsabilité d'être le numéro 1 de cette équipe de France, d'être le favori de ce match. Les Français sont effectivement favoris de cette rencontre, mais je dois dire, ça ne pose aucun problème à Yannick qui est en train de démolir le Néo-Zélandais là, hein, parce que je vois pas bien comment Chris Lewis va pouvoir, avec les armes qu'il a actuellement, gêner Yannick. On va voir au début de ce troisième set. Vous parliez tout à l'heure du temps de préparation de Yannick Noah. C'est vrai qu'après une expérience l'année dernière où le Français avait joué environ 21 tournois du Grand Prix dans l'année, il avait accompli une très mauvaise fin de saison. Il nous avait alors expliqué qu'il préférerait désormais faire des coupures. Il a fait 3 coupures depuis le début de la saison. Il a joué 12 tournois très exactement, plus bon, la Coupe Davis. On peut dire qu'il n'a quasiment aucune grosse contre-performance, hormis son début de saison où il n'a pas très bien joué sur les deux premiers tournois aux États-Unis. Sinon, il a 3 défaites contre Villas, 2 défaites contre Ivan Lendl, mais il l'a rebattu aussi 2 fois. Lendl une fois en Coupe Davis, une fois à Palm Springs en finale, remportant par la même occasion le tournoi. Il y a Warwick, si. Peut-être pouvait-on attendre un petit peu mieux de Yannick Noah à Flushing Meadows. Et notamment une qualification pour les quarts de finale. Battu en 4 manches difficiles et très accroché par l'Australien Kim Warwick. Mais il faut quand même dire que je crois que Yannick calque un petit peu maintenant son programme sur les autres grands champions, genre Connors, McEnroe, même Borg, qui finalement jouait pas tant de grands tournois. Dans une année que ça, il jouait 14-15 tournois. Il se prépare très sérieusement pour chaque tournoi et bien entendu, ils font quelques exhibitions. Et puis, il faut quand même dire à la décharge de Yannick que Yannick a eu en plus la Coupe Davis. Qu'il est, je pense, avec McEnroe, un des rares joueurs qui accepte de répondre présent chaque fois que son pays lui demande de jouer en Coupe Davis. Je crois qu'il faut leur tirer leur chapeau aussi bien à lui qu'à McEnroe pour ça, parce que ça n'a pas toujours été le cas pour Connors et pour un tas d'autres joueurs. Pour Borg. Yannick est toujours présent et avec tout ce que ça représente, je veux dire, de travail, de difficulté, de pression sur lui. Bien joué Yannick. Ah, je le sens vraiment bien Yannick, hein. Il est à l'affût des moindres erreurs du Néo-Zélandais, la moindre balle ratée est automatiquement puni, aussi bien que ça soit sur les smashs, que là vous avez vu sur une volée un peu haute et à mi-court du Néo-Zélandais. Yannick a tout de suite conclu le point.
Il était à la limite déjà sur les, deux premiers volets. 30, 15, 30, 15. Centre de Yannick Noah pour ne pas ouvrir d'angle à Chris Lewis et derrière volé à contre-pied, il a fixé son adversaire qui était déjà prêt à partir croisé. Qui était même parti, Georges. Qui était même parti. C'est raison, Hervé. Personnellement, j'ai vu cette balle faute. 30, 40, oui, d'ailleurs, monsieur Maldini. 30, 40, s'il vous plaît, monsieur, avec la voix, disez-vous si la balle c'est bon ou non. Merci. Voilà, un rappel à l'ordre pour le juge de ligne qui était resté muet en cette occasion. Et nouvelle balle de break d'entrée pour Yannick Noah. Je pense que moralement, ça serait très bon. First service. Prendrait le néo-zélandais d'entrée à la gorge dans ce troisième set. Ah, bien joué, Chris Lewis. Qui là avait anticipé du bon côté. Oui. Égalité. Avantage France. Au service. Égalité. News. Jouez Yannick. Pourtant une bonne attaque du néo-zélandais, peut-être un petit peu trop dans l'angle, mais elle était longue, la balle n'a pas rebondi très haut, Yannick s'est bien plié, et il a ajusté un magnifique passing shot croisé. Égalité, un petit peu de précipitation là, il avait vu Chris Lewis très loin, puisque le néo-zélandais avait tourné son revers. D'attaquer sur le coup droit de son adversaire. Avantage Nouvelle-Zélande. Son coup n'était pas assez débordant pour gêner Chris Lewis. Égalité.
Nouvelle-Zélande joue Chris Lewis. C'est le premier jeu du troisième set. Les Néo-Zélandais menant 1 jeu à 0 dans cette troisième manche après avoir perdu les deux premiers sets. Pourtant, là, on peut dire que Yannick Noah désirait tout à fait faire le break d'entrée, afin de se mettre à l'abri. Mais il faut aussi reconnaître que Chris Lewis a fort bien négocié ce jeu. Ce premier jeu, Chris Lewis, que nous avons vu tous ces jours derniers à l'entraînement avec Tony Roche, qui lui faisait travailler quasiment un seul coup, c'était son revers chopé. Mais Chris Lewis se battra jusqu'à la dernière balle. Hein. Je crois vraiment que ce n'est pas le genre de joueur. Je l'ai vu dans beaucoup de tournois. Il ne lâche jamais. Il essaye, il se bat jusqu'au bout avec ses moyens et ses armes. Et il est dominé, mais il essaiera d'attendre la moindre faille, la moindre petite erreur de Yannick, la moindre petit relâchement en concentration pour mettre son grand coup droit, venir au filet et puis... Nous disions au début de cette rencontre, si Noah joue sur sa valeur toute cette rencontre, il l'emportera. S'il joue en dessous de sa valeur, il pourrait être accroché. S'il joue très mal, il pourrait éventuellement être battu. Mais c'était vraiment il faudrait que Yannick Noah joue de plus en plus, vraiment très très mal et très en dessous de son niveau pour pouvoir être inquiété par le numéro 1 néo-zélandais. Yannick, pour l'instant, n'a pas perdu encore une fois son service. Il n'a jamais perdu son service dans ce match. Et il maintient vraiment une pression terrible au service. Service gagnant. 30, 15, suffit qu'il se reconcentre 30, quelques 15. Secondes. C'est aussi un pouvoir extraordinaire qui réside chez le numéro 1 français. Pouvoir de se reconcentrer en quelques secondes. Nouvelle erreur de coup droit de Yannick. 30 à 30 old. Que Chris Lewis gênera beaucoup Yannick Noah dans sa montée au filet. Ça c'est meilleur par contre lorsqu'il recouvre. Oui. C'est avec un retour frappé qu'il gênera un peu Yannick parce que Yannick a un peu moins de temps, c'est un peu plus difficile d'ajuster la volée. Sans ça, Yannick monte tellement vite au filet que ce qu'on appelle le petit retour dans les pieds ne le gêne pas vraiment. Encore faut-il avoir le temps d'ajuster ce genre de retour. Là, Yannick a servi une première balle qui ne permet pas à Chris Lewis d'ajuster un retour recouvert et tapé. Avec Chris Lewis. Oui, il était resté du bon côté. Égalité. Deux.
ce Yes. C'est typiquement le retour que Yannick adore. Avantage France. Nouvelle balle de 1 jeu partout dans cette troisième manche. Et un aïe. Et un jeu France. Et c'est celui qui s'attendait sur le coup droit. Un jeu partout. Troisième est réussi par Yannick Noah, plus 6 services gagnants. Chris Lewis au service. On a beaucoup de fautes en coup droit chez Yannick Noah depuis 3 jeux. Amorti de nouveau masqué. 40, 30, 40, 2 jeux en 1 dans la troisième manche. La Nouvelle-Zélande mène 2 jeux en 1. Belle condition physique pour ce Néo-Zélandais parce que je ne sais pas si vous avez remarqué Hervé, mais il ne prend pratiquement jamais de temps de repos entre les points. Il ramasse sa balle, il est tout de suite prêt alors que beaucoup de joueurs, comme chaque joueur a droit à 30 secondes entre chaque point, beaucoup de joueurs prennent ces 30 secondes quand ils se sentent un petit peu essoufflés ou... quand ils ont besoin un peu de récupérer ou de se reconcentrer. C'est d'ailleurs peut-être une petite erreur chez lui de temps en temps de ne pas chercher un peu plus de concentration sur certains points. Mais j'avais déjà remarqué dans tous les matchs qu'il fait, il imprime un rythme au match qui est vraiment très dur. Il ne souffre pratiquement jamais. C'est tout à son honneur sur le plan de la condition physique en tout cas.
Il est certain qu'il sert beaucoup plus vite entre les points que ne servent et Connors et Vidal, notamment. Notamment, oui. Qui prennent leurs 30 secondes largement. Yannick Noah, que vous avez pu apercevoir à l'instant et qui paraît toujours très concentré. Time. Même si le niveau de jeu a un tout petit peu baissé par rapport à ce qu'il avait été, du moins dans le jeu de Yannick Noah, au cours des deux premiers sets. J'ai un peu le sentiment que Yannick, menant 2-7-0, a légèrement relâché sa pression, notamment sur le coup droit. C'est un coup, bon, par moment, qui lui échappe, surtout quand sa concentration s'en va un petit peu. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé un petit peu au début de ce set. Il a raté quelques coups droits inhabituels chez lui, des coups assez faciles. Mais il est reparti au filet sur ce point. Et encore un smash gagnant pour Yannick. Il va en revenir, soyons-en sûrs, à un service kické. Eh bien non. 30 à que de points gagnés avec son service directement, Yannick. C'est vraiment une arme extraordinaire. Balle de break en faveur de Chris Lewis. Balle de 3 jeux à 1 pour le Néo-Zélandais. Du français parce que sa montée au filet avait été quelque peu hasardeuse. Oui, il n'était pas très bien. Balle de deux jeux partout. Avantage France. Attention en fin de jeu pour revenir. Par contre, bon, c'est vrai, la première balle de Yannick est passée assez souvent au cours de ce jeu. Mais je comprends mal pourquoi le Français, alors qu'il était mené au score en ayant frappé sa première balle de service, et il est toujours plus facile pour le relanceur d'être dans le rythme, donc, et quand il a un serveur qui frappe à plat, s'il ne commet pas l'aise tout de suite ou s'il sert au centre, ce qui est arrivé à Yannick. Je n'ai pas compris pourquoi Yannick Noah n'avait pas plutôt cherché un effet, pourquoi il n'avait pas fait monter la balle, notamment de gauche à droite, sur le revers de Chris Lewis. Je pense que c'est pour une question de rythme du service, car Hervé, si on tape trop souvent ce qu'on appelle des premières secondes balles, c'est-à-dire des balles moyennes,
on perd un peu le rythme de la frappe et il faut quand même garder un certain rythme dans la frappe de balle. Et c'est pour ça que Yannick Noah tape souvent des premières balles pour continuer à garder son accélération. Sans ça, il va commencer à servir un petit peu des balles un peu moins appuyées et on prend l'habitude de servir et on perd le rythme de la frappe. Je crois que c'est principalement pour ça. Je crois que le Néo-Zélandais a encore cassé une raquette. Et puis il avait fait le point sur la première volée tout à l'heure. 15 à 15, all. Jean-Paul Lott a dû faire signe à Yannick de bouger ses jambes et de maintenir sa pression. Oui. De recouvrir un petit peu en retour. Partout. En tout cas, un match qui se déroule très bien pour l'équipe de France. Ce match-là, en tous les cas. Yannick a été un mur sur ces deux passings d'une extrême violence du Néo-Zélandais. Yannick a bloqué la raquette droit devant lui avec le poignet et la balle est repartie plus vite. Deuxième essai aussi par Dick Lewis dans ce jeu. 30-0. Double faute qui donne 30, une balle de break 30, 40. Au numéro 1 français, une balle de 3 jeux à 2. Par le soleil aussi. La France perd son service pour la première fois depuis le début de la troisième manche. Noah menant maintenant par 3 jeux à 2 et son service à suivre. C'est-à-dire que le Français est en bonne passe d'apporter un point à l'équipe de France. Et Dieu sait si chaque point compte, Hervé, dans ce genre de rencontre. On aura constaté au vu de ce match une grande différence de niveau, même sur une rencontre entre ce que peut être un 9e mondial et un 30e joueur mondial, dans une rencontre aussi importante qu'une rencontre de Coupe Davis. Je pense qu'il y a vraiment, je vais peut-être me répéter, mais des joueurs qui ont un style de jeu qui convient particulièrement à la Coupe Davis. Je me rappelle de François Geoffrey. Avait lui aussi un jeu, il mettait de la pression, il montait tout le temps au filet. C'est vraiment un jeu qui réussissait bien en Coupe Davis. Et Yannick, avec des moyens certes différents, avec un jeu beaucoup plus puissant, mais avec son grand service, la présence qu'il met à la volée, il oblige le joueur à, pendant une durée de 3, 4, 5, 7 éventuellement, à toujours tirer des passings au cordeau pour pouvoir faire des points. Sans ça, il est puni par la volée meurtrière ou ce match de Yannick. Et en Coupe Davis, croyez-moi, ça compte. Noah au service, il mène 3 jeux à 2, ayant remporté les deux premiers sets, 6-3, 6-1. Love 15.
couvre la balle. C'est le premier hein, qu'il fait cette qualité. Oui. C'est aussi le premier qu'il réussit vraiment, enfin, sans que Noah touche la balle en face. Il n'a pas eu le temps 30. De se placer, Chris Lewis. Oui. Quelle frappe en grand balle. Sans problème. 30-0. Donc c'est assez courageux de servir une deuxième balle comme ça, de la servir sur le coup droit de l'adversaire. Là, vous avez vu la longueur de la balle aussi, je veux dire, c'était dur d'en faire quelque chose. Hein. Faute aussi. 30-40, 30-40. Trois jeux partout pour Chris Lewis, qui inquiète beaucoup plus qu'au cours des deux premières manches. Yannick Noah sur son service, le Français n'ayant toujours pas concédé sa mise en jeu. Première fois donc Noah perd son service depuis le début de cette rencontre. Nouvelle-Zélande. Et trois jeux partout entre les deux joueurs. Game New Zealand, 3 games all. Bon jeu du Néo-Zélandais. Je crois qu'il a bien retourné ce jeu. Il a vraiment pris sa chance sur le retour de service. Il a réussi quelques bons coups. Mais certains aussi que le Français a moins bien servi en première balle notamment. Que les deux joueurs sont sur le court. Bien servi. 15-15-0. Se décourage pas le Néo-Zélandais. Et deux balles de 4 jeux à 3 pour Chris Lewis au service.
Non, elle est faute. Le jeu de Chris Lewis, le Néo-Zélandais menant maintenant 4 jeux à 3 dans le troisième set. Lequel fait preuve de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de volonté, car après la correction subie au cours des deux premières manches, on se demande comment ce joueur peut trouver les ressources morales pour lutter pied à pied et pour inquiéter Yannick Noah dans ce troisième set. Noah, qui nous le disions il y a un instant, joue un petit peu moins bien. Le relâchement est indicible, mais il est présent. Et même si Yannick Noah a la force, la volonté de se dire « concentre-toi », ce n'est pas toujours facile de se motiver convenablement et à chaque point, alors que l'on a dominé de la tête et des épaules toute une partie, une partie entière de ce match. Il est certain que Yannick, sur ses deux derniers jeux, très légèrement relâché son jeu, sa frappe de balle au service, son kick au service, la longueur de sa balle dans l'échange était un petit peu moins bonne. Et Chris Lewis, n'oublions pas qu'un All Black, hein, et que ce sont des battants. Et il en a profité, il n'a pas laissé passer l'occasion. C'est ce que je vous disais, c'est quand même un joueur très difficile à battre, car il faut vraiment ne pas lui lâcher la gorge, le tenir du début à la fin. Et dès qu'on relâche un petit peu, il est là, il est présent, il saisit sa chance. Il vient de nous le prouver sur ces deux jeux qu'il a d'ailleurs, pour sa part, remarquablement joué. Espérons que Yannick va resserrer son étau, notamment grâce à son service. L'attaque était très bonne, hein, 10 cm de la ligne. Jeux partout pour Noah. Même phénomène qu'au cours du jeu de service, de deux jeux de service précédents, Yannick Noah continue à frapper sur sa première balle de service. Là, il menait 40-0, donc disons que c'est un coup que la plupart des joueurs tentent à 40-0. Quand même 3 points d'avance. Et le Néo-Zélandais joue remarquablement depuis deux jeux. Ses retours rentrent beaucoup plus souvent dans le terrain. Retours recouverts. On peut constater d'ailleurs, Georges, que le Néo-Zélandais avance maintenant sur les balles liftées du Français au service. Il avance, il n'attend pas derrière la ligne Foucault, il ne recule pas, il avance toujours pour retourner actuellement. Il prend sa chance, hein, il prend sa chance chaque fois, et ça lui a réussi sur ces deux jeux. Hein. Bien joué, Yannick. Il a hésité un petit peu après sa deuxième balle pour monter au filet. Il y est allé quand même. Bien lui en a pris. Il a vu, je pense que Yannick a servi une seconde balle très longue avec l'idée de monter au filet, mais il a simplement attendu de voir si le Néo-Zélandais faisait une préparation pour faire un coup coupé ou un coup recouvert. Il a vu que l'autre préparait pour faire un coup coupé. Il est parti au filet en 4 enjambées. Il a pu poser sa volée. 4 jeux partout donc entre les deux joueurs. 1h46 de jeu. Un central, bien évidemment, comble.
15-0, 15, love. Second service. Au maximum son attaque. 15 à... Ça volait plus exactement. 15, je pense que Yannick va essayer de mettre de la pression en prenant le filet à chaque occasion maintenant, parce que à 4 partout, il faut vraiment imposer son jeu. Néo-Zélandais qui, à mon avis, joue vraiment aussi bien qu'il peut jouer là, sur ses 3-4 derniers jeux. La santé, il va serrer le jeu. Et un nouveau service gagnant sur la ligne avec un faux rebond. Nouvelle-Zélande, un jeu à 4. En tous les cas, Georgine tient bien. C'est vrai qu'il joue remarquablement depuis 4 jeux. Il a eu, disons, sur ses 4 derniers jeux, le maximum de réussite, aussi bien sur ses services qui frôlent les lignes, ses premières balles qui touchent la ligne, bord extérieur de la ligne, ses attaques, ses retours, où il a tenté sa chance et pour l'instant ça a réussi. Et comme je disais, Yannick, il faut vraiment que Yannick fasse très attention, il faut qu'il serre le jeu. D'ailleurs, Yannick s'en est rendu compte. C'est toujours le problème du joueur qui domine, qui mène 2-7-0, qui mène un break et puis qui d'un seul coup relâche un tout petit peu son étreinte et il s'aperçoit que l'adversaire n'est pas mort du tout. Au contraire, Chris Lewis n'attendait que ça pour re-rentrer dans le match et il l'a fait très très bien d'ailleurs. Time. Pourquoi Yannick Noir avait arrêté de jouer? Je pense que Yannick avait entendu la ballette au service. Oui. Yannick avait entendu la ballette au service et il s'est carrément arrêté de jouer. Les joueurs de lettres n'ont pas appelé. Je ne l'ai pas entendu. Voilà, le point va être donné à Chris Lewis. Personne ne l'a appelé. Il a continué à jouer. Jean-Paul Lelotte défend le point pour Yannick. Je pense qu'il a raison, car honnêtement, Yannick, sur cet excellent service, s'est arrêté de jouer. Pour moi, c'est pas l'aide. Je pense que le juge arbitre, Nicolas Pietrangeli, a confirmé la décision de l'arbitre. J'ai vu l'arbitre se retourner. Il a dû prendre conseil auprès de Nicolas. Étonnant car celle-ci était bête. Bien joué.
partout. 15 à 15 all. Lewis prend sa chance chaque fois maintenant sur le retour de service. Et cette balle, Yannick était dessus, mais elle est arrivée très liftée, assez fort, et il a eu du mal à la plaquer comme il l'aurait souhaité. 15-30. S'il vous plaît, silence. Merci. Oh, c'est remarquable. Et la vitesse à laquelle Chris Lewis est revenu est tout simplement extraordinaire. 40-30. 40-30. Cinq jeux partout entre Yannick Noah et Chris Lewis dans ce troisième set. Mais on sent vraiment que Yannick doit s'employer à fond hein, sur cette fin de match. Parce que Chris Lewis joue remarquablement, il se bat sur chaque point. Il a retourné pratiquement tous les services de Yannick, sauf un, dans ce jeu. S'il vous plaît. Silence. S'il vous plaît. Merci. Et oui, sur service. Que l'attaque de Yannick Noah a été un peu longue. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, silence. Merci. Yannick se fasse mal, ça me rappelle une glissade contre Connors à Roland-Garros il y a 3 ans. 3 ans oui. 15 à 15 all. Alors que le match atteint vraiment une intensité. Maintenant se motiver après chaque point. 15-30, 15-30. Pour Yannick Noah. 15-40, 15-40, 15-40, silence s'il vous plaît, merci. Oh.
Chris Lewis, qui perd pour la deuxième fois sa mise en jeu depuis le début de ce set. La pression était sur lui au cours de ce jeu. On a senti toute la motivation aussi de Yannick Noah pour prendre le service de son adversaire. Le public redouble d'encouragement. Yannick Noah qui va servir dans moins d'une minute pour le gain de cette rencontre. Avec un petit vent favorable, je vois les drapeaux qui s'agitent légèrement. Yannick va avoir un petit peu de brise qui va encore lui améliorer la qualité. Il n'abdiquera pas, Hervé. D'ailleurs, ce match qui ressemblait au départ à une exécution nous a fait quelque peur sur la fin, puisque Chris Lewis a vraiment joué à son maximum. Yannick s'est en relâché un tout petit peu. Ça, on voit vraiment ce qui peut se passer dans un match de tennis. On a vu 2-7. Yannick absolument maître de son art, très concentré, appliqué, faisant un minimum d'erreurs et étouffant un joueur qui de toute façon n'était pas décidé à se rendre et était prêt à se battre jusqu'au bout. Yannick a relâché un tout petit peu les taux et on s'est retrouvé à 5-4 pour Lewis, 15-30 sur le service de Yannick. Lewis était à 2 points du set. Ceci peut vous expliquer un match de tennis, qui peut se passer dans un match, toutes les choses qui se passent dans la tête d'un joueur, tout ce qui peut se passer sur un tour, on vient de le vivre à travers ce troisième set. Et Yannick s'est magnifiquement repris. Silence, s'il vous plaît. La balle là-bas. Je pense qu'il va mettre de la pression et qu'il va beaucoup monter au filet. Merci. Dans ce jeu de service. Qu'il tente de recouvrir au maximum maintenant, qu'il ne retourne plus en revers chippé. Bien joué Yannick. 15 parcours. 15 all. Sans problème. Il était tellement près du filet. 2 points du match pour Yannick Noah. Et 2 balles de match pour le Français. Alors que nous venons à l'instant d'atteindre les 2 heures de jeu. Silence, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Exactement de Yannick Noah face à Chris Lewis, alors que j'aperçois des spectateurs brandir le drapeau français dans les tribunes. 6-3, 6-1, 7-5 en 2 heures et 1 minute de jeu pour Yannick Noah, qui apporte un point précieux et plus que précieux à l'équipe de France dans cette demi-finale qui l'oppose à la Nouvelle-Zélande. Yannick Noah qui quitte le court maintenant en compagnie du capitaine de l'équipe de France, Jean-Paul Loth, après une très bonne partie du numéro 1 français. Le premier set étonnant, Georges Goven, où il a survolé la rencontre, et ce malgré la bonne valeur du néo-zélandais Chris Lewis. Un troisième set plus accroché, où Yannick Noah avait fait le break, où il s'est fait prendre pour la première fois son service, mais cela lui pendait un petit peu au nez
dans la mesure où il avait été inquiété déjà sur deux services précédemment par Chris Lewis. Chris Lewis qui a recouvert un peu plus la balle en retour, qui a beaucoup plus gêné Yannick Noah sur son service qu'il ne l'avait fait auparavant. Et il a fallu toute la volonté, toute la concentration du numéro 1 français pour pouvoir revenir au score alors qu'il était mené 5 jeux à 4, vous le rappeliez il y a un instant, et 15-30 sur son service. En tous les cas, un point très précieux pour l'équipe de France de tennis dans cette demi-finale de la Coupe Davis. Avant de passer à l'autre rencontre, comme je vous l'avais promis en ce début de reportage, le temps aussi de laisser recaler le magnétoscope pour que vous puissiez assister à environ 1h25 de cette rencontre entre Thierry Tulane, numéro 2 français et deuxième joueur de simple de cette équipe de France opposée au néo-zélandais Russell Simpson. Je vais demander à Georges Loven qui suit particulièrement, qui a vécu la Coupe Davis, ce qu'était la Coupe Davis en tant que joueur, qui n'a pas toujours réussi autant qu'il l'aurait voulu dans cette épreuve, si c'est vraiment quelque chose de très très particulier de jouer pour son pays en tennis. Hervé, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que d'un seul coup on se retrouve dans le contexte d'un...